Bonjour bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous Aujourd'hui nous allons voir le son 20 qui portera sur les tableaux. Pour ceux qui ne connaissent rien au tableau en HTML, je vous conseille vivement de regarder la vidéo numéro 7 sur les tableaux en HTML 4, dont je vous glisse la photo ci-dessous. Je ferai en sorte aussi de vous mettre un petit lien YouTube afin que vous puissiez accéder directement pour ceux qui sont intéressés. Donc ce qui sous-entend que je ne détaillerai pas les balises de base sur la conception d'un tableau simple. Cependant, nous regarderons en détail les nouvelles balises en HTML5. Au niveau du HTML5, nous ne verrons pas toutes les balises en HTML5, mais seulement celles qui me paraissent les plus importantes, comme, donc, head qui représente l'entête du tableau, tbody, qui représente le corps du tableau, tfoot, qui représente le pied de la page du tableau. Mais, sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel Sublime Test. Donc, nous voici en Sublime Test, donc, si on clique ici sur photo, on va voir automatiquement le tableau que j'aurais créé avec différentes informations. Mais avant, je voulais vous montrer l'exemple. Donc allons sur l'exemple. Ici j'ai fait en sorte de vous créer des tableau en HTML4 et en HTML5. Regardons un peu à quoi ça correspond. Donc on est dans Exemple et on va regarder un peu à quoi ça correspond. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué gestion et tableaux en HTML4. Donc comme d'habitude, j'ai mis celle-ci dans deux divs afin que ce soit plus intéressant et plus joli à l'aperçu. Donc comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, bon, ben, je ne vous expliquerai pas à quoi sert la balise TAP, TR, TH, et ainsi de suite, ou très rapidement. Donc la table, dedans, automatiquement, vous allez trouver du TR, de 1 TR, vous aurez soit du TH, soit du TD. Donc le TR, c'est tout simplement euh, une ligne, et le TD, c'est tout simplement une donnée. Donc si vous voulez une TR, ça va être toute cette longueur-là, et dedans, vous aurez à chaque fois des TD. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des TH pour dire des titres, en fin de compte, hein. Euh, j'ai mis, un... mis aussi des petites euh, petites images afin que ce soit sympathique, vous voyez ici, au niveau de la photo. Alors là aussi, j'ai un espèce de, de hover. Lorsque je passe ma souris, j'ai un, un hover qui apparaît, c'est-à-dire un, un fond rose qui apparaît. Ça, je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire au niveau de HTML4. Prenons maintenant l'HTML5. Alors c'est là que ça diffère un peu, vous voyez, on peut mettre de suite. Alors le caption, entre guillemets, on peut le trouver aussi en HTML4. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on a T-Head déjà. Donc le T-Head, vous voyez, il englobe, il englobe pardon, tout simplement euh, le TR avec les différents titres. Le T-Body, ben, comme je disais, ça va englober le titre de votre, euh, de votre euh, tableau. Là, oui, je ne m'aperçois pas, j'ai fait une erreur, donc je vais faire un petit copier-coller de suite. Hop. Et je le place, bien évidemment, dans T-Body. Il n'y aura pas vraiment d'erreur en fin de compte, mais ça sert beaucoup euh, au niveau des moteurs de recherche euh, qui va permettre, euh, qui vont regarder, en fin de compte, qui vont scruter votre site internet et qui va voir, ah bah tiens, celui-là, il a fait un tableau assez volumineux, ok, là, il a mis l'entête, là, il a mis le corps du tableau et là, c'est le, le pied de page. C'est très pratique quand vous avez des tableaux très volumineux, ce qui n'est absolument pas mon cas euh, par rapport à ce que je vous montre, mais je voulais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc comme vous voyez, j dans le T-body, j'ai des TR. Fin et ainsi de suite, bon là rien d'extraordinaire, et le TFOOT, foot qui est le pied de page. Alors ce que je peux vous expliquer, euh, si on regarde un petit peu, alors on va décrypter un petit peu quand même. Donc là, rien d'extraordinaire, tout ça vous connaissez maintenant. Hein. De toute façon, je vous conseille vivement de regarder la vidéo, euh, comme je vous disais, sur HTML4 au niveau des tableaux. Ça vous permettra de bien mieux comprendre ce que je vous explique, parce que là je vais assez vite. Hein. Euh, donc ici rien d'extraordinaire. Comme je vous disais mon caption, vous voyez ici on a vive les poissons, donc c'est le titre en fin de compte. Hein. Par contre, quelque chose d'intéressant, ça va être Colspan. Alors, le Colspan, vous voyez, j'ai mis 3. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, euh, si vous mettez TD et vous ne mettez pas Colspan, lui, il va mettre ici pied de page, mais juste à ce niveau-là. Vous voyez Par contre, si vous mettez Colspan égale 3, ça veut dire que je veux que tu m'élargisses sur mes trois colonnes et que le pied de page soit centré. Alors, mon pied de page sera centré sous réserve que vous mettiez une classe. Regardez, on va aller voir de suite les différents styles. Donc ici j'ai mis un center, je mets un text-align center, pour avoir ici un, un petit pied de page. Donc décryptons maintenant au niveau du CSS. Donc on a... <coughs> pardon, excusez-moi. On a mis donc euh, ici euh, une classe photo avec une largeur de 60%. Afin qu'ici vous voyez j'ai quelque chose d'intéressant. Euh, au niveau de mon, ma balise table, j'ai mis une petite bordure d'un pixel en solide et en noir. Euh, le, au niveau du T-Head, j'ai mis un font style italique. C'est pour ça qu'ici vous voyez c'est en italique tr, td, c'est-à-dire pour les lignes, et pour les data, c'est-à-dire les cases, on va dire, hein. j'ai mis un petit border 1px solide. Alors là aussi, vous voyez, j'ai fait en sorte de, de bien séparer. Mais si vous voulez, par exemple, avoir qu'une seule ligne, il suffit d'activer cette ligne-là. On tapera border collapse, deux points collapse, et vous allez voir de suite. Donc là, je vais enregistrer. Ici, je vais rafraîchir. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, vous avez maintenant les traits qui sont euh, continus. Vous n'avez pas euh, pour chaque case euh, un, une espèce de bordure, on va dire. Mais moi, j'avoue que je préfère euh, l'autre manière. Donc, je fais en sorte de remettre comme c'était. Ici, je rafraîchis. Voilà. C'était juste pour vous expliquer. Donc, ici, T-Body, bon, bah, vous voyez, j'ai mis en sorte de faire une petite euh, nuance par rapport au blanc. T-Foot, si on regarde euh, au niveau du pied de page, bah, c'est ici. Puisque t'es foot dans l'HTML 4 n'existe pas, hein. c'est que dans l'HTML 5, vous avez bien le pied de page avec une couleur bleue. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est ici. Vous voyez, quand on passe à souris, on a le curseur qui est en move. Donc là, euh, c'est simplement, il suffit de taper curseur, euh, vous tapez curseur CSS et vous verrez, vous aurez tous les différents curseurs que vous pouvez avoir. Et background color, bon bah ça vous savez ce que c'est. Hein. Donc c'est-à-dire que j'ai défini pour le TD qui contient euh, IMG. Vous voyez, donc on a TD, dedans il y a l'IMG. Alors, lorsque je vais passer ma souris dessus, je veux un background de color. Donc là, vous avez une espèce de rose. Tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus en tout cas sur les tableaux. Euh, donc si on regarde ici dans Photo, bah, vous voyez, je vous ai mis quelques petits tableaux. Hein, je n'ai pas encore peaufiné, mais le, le but était de vous expliquer un peu comment fonctionnent les tableaux. Et pour finir, comme d'habitude, bah, vous allez ici dans langueportouse.free.fr. Vous cliquez ici sur le cours hein, et vous aurez la leçon numéro 20 que je vous ai euh, zippée afin que vous puissiez récupérer le contenu de tout ce que j'ai noté. Vous voyez, ça commence à être assez conséquent là ce qu'on note. Ce qui est normal, parce que plus vous allez avancer dans la création d'un site internet, plus celui-ci va être conséquent. Mais on fera en sorte plus tard de l'optimiser, mais chaque choix en son temps. Donc là, comme d'habitude, vous cliquez ici sur le son 20 et vous aurez votre petit fichier ZIP avec tout le nécessaire. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera donc sur les pseudo éléments, c'est-à-dire qu'on aura ici un tout petit poisson qui sera juste avant accueil et qui permettra de rendre, un, de styliser un peu notre site internet. Voilà, bah je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.